Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour Wow. ce nouvel épisode du Richissime Archéologue avec notre beau gosse. Ah non, qui c'est qui est mort? Billy Acharia. Bon, ben, je suis désolée, mais Billy, je ne sais pas vraiment qui tu es, et en tout cas, tu touches mon petit Iowa qui est tout tristone maintenant. Ça va me casser les couilles, cette histoire. Allez, Jeffra? on appelle un petit coup SOS Oh, Tristesse, en plus, je vais lui remontrer un Tsuniska. peu son Who social. cared? Mais bon, ça va être Who chiant, said sachant so qu'en plus c'est we? son dernier jour dans la jungle là, parce qu'après on va retourner à la maison, donc il faut absolument qu'il trouve des trucs. Et puis qu'on aille faire un temple encore de nouveau, hein, je vous rappelle, pour finir la collection des. Comment ça s'appelle? Oui, mon petit hélico. Comment ça, des reliques, je vais y arriver. Et aussi, avec de la chance, dernier fossile et des éléments. Il reste pas grand chose à faire pour ce challenge, hein, mais il faut le faire. Est-ce que tu vas me faire un petit plaisir là en Hello. début d'épisode? Ben non. Bon, enfin, il faut l'ouvrir déjà, parce que sinon. Si j'ouvre pas, je peux pas dire et tout ça, mais bon. Non, pas de musique, une empreinte à trois orteils. Pourtant, c'est pas mal ça, non? Allez, il est parti pour aller franchir les nouvelles limites de la jungle. Un petit tour en vélo, ça vous dit? Ah, n'ayez pas peur, on va passer sur le pont. Mais vous inquiétez pas, regardez, Iowa, il sait aller tout droit, il n'y a pas de problème. Il va pas passer par-dessus bord. Qu'est-ce que c'est beau, hein, franchement. Moi, je m'en lasse pas de cette petite jungle. Bon, ce serait cool des fois d'avoir un peu plus de variété, mais franchement, déjà ce pack me plaît dans son intégralité. Le fait de passer des portes et d'accéder à un autre endroit, tout ça, moi je kiffe, hein. Je suis fan, alors. Eh ben non, le truc il est là. Oh cool! Bah écoute, tu peux venir jusqu'ici. Ah, il y a des trucs à creuser, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on pourra bah, accéder à notre temple, le dernier de la semaine. Et hop là, un petit fossile. Et un autre petit... comment ça s'appelle déjà? Cristal? Cristal? Cristal, non. Ben non, c'est pas un cristal, hein. On va s'assurer, hein. Et une améthyste. Cool. Ah, bon, bah allez. C'est parti pour le temple. Allez, Iowa, défends-toi contre la liane. Pff, ouais, je sais pas. En tout cas, il va beaucoup plus vite à couper les lianes, hein, vous avez pu remarquer. Ah bah non, il se réjouit, mais il recoupe. Bah, faudrait savoir, mon coco. Wouhou! C'est parti! Le cabiai et les abeilles. En se frayant un chemin dans la jungle, Iowa tombe sur un petit groupe de cabiais près d'un point d'eau. En les observant, il s'aperçoit qu'un énorme essaim d'abeilles s'approche de l'un d'entre eux. Le cabiai ne semble pas avoir vu le danger imminent. Compétence fitness élevée, ça va, il maîtrise, il est à 10. Une fleur de Guzmania, bon, on va faire partir les abeilles en dansant, évidemment. Iowa sautille et remue des bras pour attirer l'attention des abeilles. L'essaim se dirige en sa direction et Iowa entame une course chaotique jusqu'à ce que les abeilles soient totalement désorientées et perdues. Alors qu'il s'arrête près d'un pont d'eau pour reprendre sa respiration, il baisse les yeux et trouve un trésor ancien. Oh oui! Bien sûr, on va au temple, chérie. Et nous voilà au poteau! Templiné de la journée. Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire des grosses conneries aussi grosses que moi, donc vous imaginez un peu la taille du bordel. Bah, il va creuser ce truc-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. On a un truc à creuser là. Ouais. Et puis, on a une petite pistouche. Si l'envie nous prend d'aller piquer une tête, tu viendras examiner. Ah, je vais y arriver. Examiner ça. Creuser ça, bah oui, ça y est, il est retristoun, hein. Et examiner ça. Et ce sera bien pour la première porte qui crépite d'impatience de te voir passer. Bah, si bien, il m'a retrouvé une relique de Tote Keyama, mais c'est pas la bonne, quoi. J'aurais en vrai. Moi, je voulais une palombe palso, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Trois noms, hein, peut-être. Très bien. Allez, bichon, c'est pas grave. Oh là là, t'as le cœur brisé. Mais c'était qui cette Billy, là? On sait même pas, nous. Ah, bah franchement, je pense que c'était juste quelqu'un qu'on avait connu comme ça, hein. Oh là. Tu es lent, hein, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Iowa. Parce que t'as mis la blinde de temps. Allez, remue-toi les fesses un peu. On n'aura même pas fini le temple et puis il faudra rentrer. Alors, il n'y a rien qui... D'accord, bon, bah c'est le peut-être d'ici qui va activer, alors, hein, vu que tout le reste c'est no way, bah je pense qu'on a trouvé quand même. Mais il me flingue, il va...
Allez de l'autre côté en vélo. Ah bah non. Il s'est dit finalement, quel manque de respect. Je vais sûrement pas y aller en vélo, voyons. Je vais y aller en y allant à deux à l'heure, en train de pleurer, quoi. Ouais, ça s'ouvre. Quel plaisir. Ah bah bien sûr que t'as esquivé les dangers, vu qu'il y avait qu'un seul truc qui pouvait fonctionner. Il va appeler SOS Tristesse, il va manger un petit peu, et puis après on attaque la suite des événements. Voilà, il va beaucoup mieux. Tu vas examiner ça. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Bon, et puis tu pourras quand même creuser là et là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait découvert? Et ben voilà, t'as un peut-être, on saura que c'est celui-là. Hein. C'est bien, c'est que... Alors, il se dit que sur trois trucs, il y en a deux. Non, c'est sûr que c'est pas ça, mais le dernier, on n'est pas sûr. Oui, bien sûr, hein, c'est tellement logique, après tout. Tu veux quoi? Va activer le truc, là. Arrête de te plaindre un peu. Mais, et bouge-toi les fesses, il est déjà 23h. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce qu'on perd comme temps aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Allez, nouvelle porte à ouvrir. Alors, tu vas examiner ça et examiner ça. Et on va voir cette magnifique fougère luxuriante. On ne sait pas comment elle est arrivée là, mais en tout cas, elle y est. Il est beau quand il est concentré. Bon, il est beau tout le temps, si j'ai envie de dire, parce que vous allez me dire dans les commentaires, ah là là, mais de toute façon, de dos, de face, de côté, d'en dessous, machin, truc, mais j'ai toujours beau, oui. Oui, non, mais ça, je sais. Mais quand même, il est beau quand il est concentré. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, bah voilà, non, trois noms et un peut-être. Ah, yonk. Ah, t'as trouvé. Ah, mettre la main dans le glyphe soleil. Oh, bichette! Quoi? Pourquoi il a les yeux verts, lui? Ah, putain, il a mis des lunettes de... Wouah! Ah, bah dis donc, c'est un fancy, notre ami le squelette, là, parce que... Il a pas mal de colliers, des lunettes, le bracelet, bague, c'est bien, il est... Ah, c'est bien, il est pas mal, il est pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais c'est bon. Si tu veux lui parler, tu vas lui parler, pas de problème. Ça remontera son social. Et c'est un grand oui pour l'ouverture de la prochaine porte. Allez, va parler à ton nouvel ami, là. D'ailleurs, c'est quoi son nom? Kelsey M. Calcaire. Ok. C'est une fille, en plus. Quel est le comble pour un squelette? Hein? C'est de se faire dire qu'il est bien habillé. Bravo, Iowa. Sinon, dans la prochaine salle, nous avons... Oh, bah, dis donc. Trois trucs à examiner, rien que ça, et un petit trésor à ouvrir. Youhou! Alors, Yibs ou pas Yibs? Aucun des déclencheurs. Bon, bah, c'est déjà ça. Iowa, faut que tu bouges ton cul, là. Il reste 4 heures avant que tu sois téléporté chez toi, donc dépêche-toi. J'avais pas vu, mais sur le deuxième, il a assemblé les têtes de glyphes de flèches, là. Oh non, il est fatigué. Mais, ah, mais quelle lenteur aujourd'hui, Iowa, tu me déçois, je suis déçue. Tu vas me prendre une énergie liquide, là, ça te fera du bien. Une relique de Tote Kayama et un trésor. Ok, bon, bah, tant pis pour Tote Kayama. Hein. Une base de relique de la mort, Tote Kayama. Et un soda de Faraday et puis un vase au misque. Hein. Ok. Allez, tu me bois... Yes. Ça ouvre la porte. Oh, un autre squelette. Ah, ça va, c'est la fin. Du coup, tu prendras ça et ça. Et puis, ce sera la fin. Oh là, puis maintenant, il pue. Mais il n'y a jamais quelque chose qui va avec toi, Iowa. C'est pas possible. Allez. Donne-moi du palom palso, stop. Alors, Pereira crâne, machin. Ok, super. Il va chercher le dernier temple. Enfin, le dernier temple. L'esprit de Palom Palsa offert à Iowa la bénédiction de la prise de contact accélérée. D'accord, pas de soucis. Wanji. Yebs. Voilà, on a l'exploration du temple terminée de Pereirarieye en quartz et en or. À cette calendrier, réplique de Zata Totot. Réplique, relique. Bon, alors le temps qui reste, on va aller... Non. Mais pourquoi il boit ça, lui? Ah, il me casse les couilles. On va aller au musée, au bar. On est au bar, il pleut un peu. Tu peux pas... tu peux pas te laver sous la pluie. Je vais checker, voir s'il y a des petits trucs qui traînent là. Oui, ici par exemple. Bon, bah maintenant il lui reste que plusieurs trucs à creuser. J'espère juste qu'il aura le temps de tout faire. Croisons les doigts. Hein. Allez, un petit deuxième. En plus, ça commence à pleuvoir sévère. Tu sais que t'es pas obligé. Laisse ton vélo là. Oui, parce que sinon tu me fais perdre du temps.
Oh là là, mais qu'est-ce que t'es lent. Allez, bouge-toi le cul! Aïe, ouah! Ah oui, vas-y. Va chercher trésor dans la terre. Allez, enfourche! Enfourche! Oh là là, puis en plus, on n'a plus d'eau à la maison, ça devient que ça craint sa mère. Mais qui n'y aimait! Mais reprends dessus, espèce d'idiot! Monte sur le vélo! Oh, j'en peux plus. Allez, mon petit. Allez, Iowa. Je sais plus à quelle heure on est parti, mais s'il restait 4 heures tout à l'heure, on va se faire sauter le capuchon, là. Oui, je sais, c'est une nouvelle expression, on va se faire sauter capuchon. On va être expédié. Allez, c'est pas grave si ça, il y a de la pluie, s'il y a du vent, s'il y a tout que ce soit. Là, je m'en fiche, moi. Tu vas me chercher mes fossiles, là, ça suffit, hein. Allez. Allez. Allez, Iowa. Allez. Puis pourquoi il fait tout le tour? Enfin bref, il en a deux là. On croise les doigts. Eh ben tant pis. Voilà, il allait le chercher et ben c'est fini. Il faut rentrer à la maison. Je te déteste, Iowa. Je te déteste, sache-le. Bon. Eh ben voilà, on est rentré. Bah écoute, mon petit, tu peux aller manger. Après, tu iras prendre une douche ou un bain comme tu veux et tu iras te coucher. Ah, tu peux pleurer, ouais, tu peux pleurnicher, ouais, on a encore perdu du temps avec tes conneries là. Hein? Comment je vais faire, moi, après? Idiot. On va encore devoir continuer le challenge longtemps avec tes conneries. Eh ouais. Vas-y, pleure, tu pisseras moins, comme on dit. Oh là là, Bichette! Oh là là, tu la connaissais à peine, ça va. Bon, le jardin aura peut-être un besoin d'un petit peu d'entretien avant de passer à autre chose. Et puis, en l'occurrence, vu qu'il nous reste au niveau des cristaux, je crois qu'il nous reste que des cristaux extraterrestres. Il y a un commun de chez commun et encore deux extraterrestres. Donc, on va retourner sur Sixam. Hein, et l'élément qui nous reste, c'est un qui vient avec un des cristaux de Sixam et un autre insolite. Eh bien. Qu'on n'a toujours pas. Avec évidemment le seul calcaire qu'on n'a pas, c'est celui de Celadorada. Mais là, bon, bah écoutez, c'est râpé pour aujourd'hui. Ah, hein. Oh, il a. Oui, non, j'allais dire, il est content, c'est encore une nouveauté. Mais non, c'est une boîte de ces morts là, qui sert à rien, que j'ouvre jamais. Bah, je sais même pas. Une boîte Misner là, il y en a 8. C'est pour avoir des trucs My Sims, je m'en fiche. Hein. Oh, d'ailleurs, notre plante extraterrestre a grandi d'un coup, hein. On sait pas trop ce qu'elle va faire, mais c'est bizarre pour l'instant, mais voilà. De toute façon, on va retrouver ses copines dans pas longtemps. Alors, comment ils vont tes petits arbres et tes petites plantes? Qu'est-ce que tu leur racontes? Tu leur racontes tes malheurs? Tu vas être malheureux combien de temps? Encore 5 heures? C'est long quand même. Ah, puis après, on va aller sur Sixam. Voilà, va payer tes factures. Et c'est direction le trou de ver après, auquel on va aller directement sur Sixam pour collecter. Éventuellement, les cristaux qui nous manquent. Allez, c'est ça. À plus dans le bus, mon Iowatt. C'est parti. Sur Sixam, les enfants. Non, mais regardez ça, ce mec, il a une vie incroyable. Il est tout le temps en train de visiter des temples, de trouver des tonnes de trésors. Il est riche à foison, il est beau gosse, il a tout ce qu'il fait. Il visite même les mondes inconnus. Et il tire la gueule. Ah. Oh. Alors nous voilà-t-il à Sixamou, hein? Alors, ça a déjà été récupéré. Ah, parce qu'il faut attendre que ça repop. Allez, tu peux ramasser celui-là. Ça, c'est... Préparer un échantillon et enlever les plantes sauvages. Ah, est-ce que tu peux enlever les plantes sauvages de ça? Bah écoute, tu peux les enlever. Ah, les fameuses géodes. Non, ça, on a déjà la collecte, donc on va pas le reprendre. Je vais pas m'embarrasser. Oh là là! C'est beau! Je sais, je l'ai déjà dit, mais... Cette eau translucide, fluorescente, elle a l'air un peu visqueuse, vous savez. C'est joli quand même. Mais il va faire encore la gueule longtemps. Je te jure. Tu peux appeler SOS Tristesse? Une clandestine. Oh! Oh! On a récupéré un truc qu'on n'avait pas. Oh mon Dieu, ça y est, je vais sauter de joie. Oh finalement, on continue à faire la gueule tant que tu me récupères des trucs qui m'arrangent. Et oui, regardez! Une clandestine rareté insolite, c'est complètement nouveau! Oh, je suis trop contente! Oh, on va pouvoir rentrer à la maison et extraire un élément de ce truc-là, ça va être trop bien! Eh, vas-y, t'as encore des trucs à récupérer! Oh, et on va bientôt finir aussi la collection d'extraterrestres avec le porc-épic de l'espace vivant! Waouh! Trop bien! Ah, ça y est,
les premiers extraterrestres commencent à venir. Toujours un peu dans le côté médiéval de l'histoire. Hein. Regardez-moi ces petites lumières qui s'échappent de ces herbes hautes là. C'est trop beau! Finalement, j'ai mis des années avant de venir sur Six Sam avec les Sims. Mais j'aime beaucoup. Ah, quel bonheur, elle va bientôt plus être triste. Ça clignote, il lui reste 2 minutes. 1 minute. 0 minute. Ah, bah ça y est! Je ne suis plus triste de mon amie qui est morte. Finalement, elle n'était pas si importante que ça dans ma vie. Maintenant, t'as envie de pisser? Non, mais c'est pas possible ça. Alors, fais-moi voir un peu ce qu'on a récupéré sur cette petite planète. À part l'Alcron qui a été nouveau, non, le rubis on avait déjà. Le clandestine, on a récupéré deux. On a récupéré aussi des trucs chelous là, qui s'appellent Alcron. J'ai pas retenu les noms, ils étaient trop bizarres. Ah, mais je confonds les cristaux avec tout simplement des métaux. Voilà, on a récupéré du plutonium. Parce que c'est formidable le plutonium, parce que ça donne plein d'aluminium, bien sûr. Du solarium aussi, voilà, on a récupéré 3. C'est pas mal. Faudra qu'on revienne, je vais regarder rapidement ce qui nous manque. Il nous manque toujours un cristal commun et un cristal martien, on va dire, hein, plutôt. Et les éléments, il nous en manque toujours 2. Et bien sûr, ça va pas bouger. Regardez les extraterrestres, on va bientôt avoir tout ce qu'il faut, quoi, bientôt. Allez, on va prendre un dernier petit. Comment ça s'appelle? Extraterrestre pour la route. Et on rentrera à la maison. On attendra que ça repousse tranquillement. Parce que là, j'ai pratiquement tout récolté. Et on a bien avancé, mine de rien. Allez, tu peux rentrer chez toi. Bah non, mais tout seul, ça sera bien aussi. Allez, tu vas tout de suite aller aux toilettes parce que tu es. Voilà, t'as besoin. Tu vas faire un petit miam. Et puis, on va aller là-haut. Pour prendre un nouvel élément, j'espère que c'est celui qui nous manque parce que sinon j'aurai un peu la rage. De c'est celui-là. Hein. Non, ça c'est rubis. Oh là là, puis comme ils ont même la même couleur, ces idiots. Clandestine, voilà. Tu vas m'extraire un élément de celui-là. Voilà. J'ai hâte. Allez, Iowa, extrais-moi. Allez, Iowa, extrais-moi. Allez, Iowa, extrais-moi. Oh là là. Ça y est, on a eu un crit à coup. C'est chelou comme nom. C'est un rare à 140. J'ai peur. Je vous dis, j'ai peur de l'entrer dans ce truc. Est-ce qu'il est... Merde, je l'ai encore oublié. Je l'ai perdu dans mon fil. Voilà. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, c'est même pas celui qu'on a besoin. Ah, j'ai envie de tout casser. Allez, puisque vous n'avez pas encore eu depuis le début de l'épisode, on finit sur la petite Sim Roomba d'Iowa. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter. C'est bon pour le référencement et ça aide ma chaîne à se faire voir par les autres personnes. N'hésitez pas non plus à partager ma chaîne sur tous vos réseaux sociaux, évidemment. Et puis, des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être qu'on avancera avec Iowa. Peut-être, je ne sais pas encore. Des bisous, allez, ciao!